aujourd'hui au niveau du forum africain, du premier forum africain de la sécurité routière, nous tenons effectivement à envoyer un certain nombre de messages. Premier message, c'est qu'effectivement le Maroc, avec sa stratégie nationale 2026 qui a pour but de réduire de 50% le taux de mortalité au niveau de la sécurité routière, c'est une expérience qui est réussie et qui mérite donc d'être partagée avec les autres pays africains. Et puis aussi, en termes de des recommandations des directives royales, nous essayons de nous ouvrir vers l'Afrique pour essayer de, aussi de partager toute l'expérience africaine réussie, mais aussi de relever les défis qui sont très nombreux pour le futur, parce que nous restons quand même au niveau de l'Afrique, malheureusement je dirais, avec des taux de mortalité qui sont les plus élevés au niveau du monde. On va annoncer, et c'est une première aussi, la création de l'Observatoire africain de la sécurité routière qui a pour but effectivement d'institutionnaliser tout ce qui est sécurité routière au niveau des informations, des indicateurs et des statistiques. Il va donc nous élever au niveau de ce qui se fait mondialement.